Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le deuxième pack opening spécial TOTS Bundesliga. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans le jeu, puisque j'ai un petit truc à faire avant de débuter la vidéo et le pack opening. C'est que je dois juste quitter mon dernier match. J'ai fait 11 victoires, 8 défaites en FUT Champions. C'est mon pire FUT Champions depuis bien longtemps. Et je pense que c'était mon dernier FUT Champions, les gars. La vérité, les prochains FUT Champions, ils seront peut-être faits, mais je peux vous dire que ce sera pas moi qui les fera. Je vous le dis, les gars, hein, parce que la tête de moi, j'ai pété un câble. Un FUT Champions horrible. J'ai deux cartes qui me viennent en tête, là. Je vais en faire un cauchemar. C'est Kane, Harry Kane Tots en rouge. Tout le monde l'avait. Ils m'ont tous mis des puffs de fou. Et la deuxième carte, c'est R9 en prêt. Je sais pas où on le récupérait, lui, mais tout le monde l'avait ce week-end. Donc voilà, les gars, on quitte le dernier match parce qu'on est des bons. Ça fera plaisir aux frérots. J'ai pas eu une seule free win du week-end. Je vais d'enchaîner deux semaines, les gars, en faisant 14 victoires. J'étais content, la vérité. Et là, je retombe de mon petit nuage. Et voilà, pas que pour moi, cette année, faut arrêter FUT Champions. La vérité, c'est mieux pour ma santé mentale. J'ai même pas fait en stream, les gars, FUT Champions. En fait, là, j'ai pas trop envie de stream en ce moment, la vérité, les gars. Et là, ce week-end, en plus, il y a la Zilane. En fait, je me suis mis FUT Champions, la Zilane en même temps. J'ai participé deux fois à la Zilane, les gars. Je suis un peu attaché à cette compétition, j'aime beaucoup. Bref, deux joueurs hors rare 84+. Elles sont éclatées, les récompenses, je suis dégoûté. Deux TOTS Bundesliga, un pack à 50 000, un pack ultime. On aura également dans cette vidéo le pack à 500 000 à ouvrir. Et je crois que j'ai des packs sympas aussi, genre 5 joueurs rares 85+, tout ça. Donc, on est parti. Prédiction. On n'est pas en live, les gars. On ouvre les deux choix 84+, et ensuite les deux packs TOTS Bundes en espérant qu'on ait de la chance. Bon, inutile de vous dire quel joueur on veut. On a déjà fait un peu le point hier. Les plus chers, comme d'habitude, les Bellingham, comme mon frère Idriss, du Nkunku, du... Y a qui d'autre? Ah ouais, j'ai zappé, ça y est, moi. Bref, on les verra. On s'en souviendra quand ils apparaîtront. Les TOTS Moments, Mané, et même Goretzka, j'aime beaucoup sa carte. Allez, les gars, premier joueur rare 84+. Ouais, on va pas aller loin avec des régulars, les gars. Verratti ou Lloris, c'est un peu du pareil au même. Je dirais que Verratti tombe plus souvent que Lloris. En vrai, de vrai, c'est du pareil au même. Je pense qu'ils tombent aussi souvent les deux. Voilà, on risque de les avoir en doublon dans le pack opening. Vous verrez de toute manière. Allez, on va partir sur Verratti. Comme d'habitude, l'équipe, n'hésitez pas à liker la vidéo un maximum. Ça fait toujours plaisir, ça aide. On est parti, le deuxième pack. 84+ du bleu. Ouais, tu vas... On va droit dans le mur avec ses récompenses. En même temps, tu fais 11, tu choques totalement ton FUT Champions. Tu t'attends à quoi, yo? Qui te donne Bellingham comme ça dans un choix 84+? Bien évidemment que non. Bon, allez, c'est maintenant que c'est intéressant. Des choix rouges, TOTS, Bundesliga. Seulement deux choix. Je suis dégoûté, j'ai pas le pack avec trois joueurs comme la semaine dernière. Trois joueurs TOTS, ça aurait été incroyable. Même si c'est pas vendable, c'était toujours bien de l'avoir, ce pack. Allez, c'est pas grave. Trois TOTS Bundesliga. Certainement on va avoir certains que j'ai déjà packé dans la dernière vidéo. J'ai eu Lacroix et Hoffman, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, les gars, le MOC. On va certainement les voir dans ce choix, mais j'espère que le troisième joueur il sera meilleur. On est parti, premier choix TOTS Bundesliga. Je vous avais dit quoi, les gars? Lacroix, il est direct tombé. On va prendre Davis, bien évidemment. En vrai, excellente carte de défenseur gauche. Je suis pas au courant de son prix, donc je vais aller voir tout de suite Davis. Ça coûte combien? Mais ça va, c'est un excellent défenseur gauche. Après, voilà. Là, il y a deux semaines, j'ai eu Robertson. Enfin, je m'en fous des DG, là, la vérité. C'est bon, j'en ai pas besoin. Ça coûte 355 000, voilà, c'est pas la pire carte. Et je m'en fous un petit peu. La vérité, je m'en fous un petit peu. Allez, faut que le jeu me récompense. Il me récompense. Peut-être que c'est moi qui ferai mon FUT Champions si le jeu il me donne Nkunku, là. Moi, je m'engage à faire le prochain FUT Champions de mes propres mains, les gars. Si j'ai Nkunku dans ce choix. Christopher, viens par là! Il me donne que les latéraux, j'en peux plus, la vérité. Fulkrug, Brent. Je vais aller voir, je pense que c'est Frimpong le plus cher. Après, je me plains, mais bon, en défenseur droit, là, actuellement, j'ai joué avec deux défenseurs droits éclatés, Trippier. Tots, il est trop nul. J'ai joué également avec Philippe Lam, la version Baby Trophy Titan. Il est trop nul. Peut-être qu'il faut que je teste un nouveau joueur en la personne de Frimpong. Parce que Brandt, je pense pas que ça coûte très très cher. Alors, Frimpong, ça coûte 240 000 crédits. Et Brandt, ça coûte 51 000 crédits. On va partir sur Frimpong, bien évidemment. Bon, allez, on va pas se plaindre. On n'a pas fait un bon FUT Champions. On méritait pas forcément les meilleurs joueurs cette semaine. Davis, Frimpong, on a les latéraux. Maintenant, on va aller ouvrir quelques packs que j'ai en boutique. Ainsi que le nouveau pack qu'ils ont mis à 500 000. À chaque fois qu'ils le mettent, je l'ouvre de toute manière. Je suis un bon petit client fidèle, moi. Vous le savez. Donc d'abord, je crois que j'ai un très très bon pack. 5 joueurs 85+ à ouvrir. Eh ouais, il est là. J'ai un pack joueur TOTS également. Oh, il y a des bons trucs à ouvrir. 25 joueurs 84+, je pense pas que c'est le bon bail de l'ouvrir aujourd'hui, la vérité. Donc là, il y a quand même des petits bons packs. On va ouvrir le pack 8 joueurs Bundesliga, vendable. Vendable, s'il y a un TOTS, je suis très heureux. Malheureusement, j'ai même pas les lampadaires qui montent vers le haut.
C'est complètement dégueulasse. Allez l'équipe, on continue du coup sur les packs 83+. J'ai 2 joueurs 83+ x 2 et j'ai un 3 joueurs 83+. Ensuite, il ne restera plus que le pack TOTS et le pack 5 joueurs 85+. Allez, j'espère qu'au moins un de ces 3 packs 83+ va payer et que j'aurai un petit TOTS à l'intérieur. Franchement, les gars, c'est de pire en pire les packs opening. Aujourd'hui, ça va. Bon, on va dépenser de l'argent dans le pack à 500 000. Mais pour le moment, je dépense pas de sous. C'est uniquement les récompenses, tout ça. Donc, ça va. Un doublon, bien évidemment, alors que j'ai vidé complètement le club. Peut-être que le deuxième pack de joueurs 83+ sera plus clément et aimable avec moi. Une animation espagnole. Parero. Ah, dommage. Parero, peut-être que ça aurait été signe de victoire. Mais en vrai, cette année, les gars, Parero, c'est pas le bon bail. L'année dernière, c'était bien d'avoir Parero dans ses packs. Ensuite, t'avais un très très bon pack derrière. Cette année, Parero, je vous le dis, c'est plus une tech qui marche malheureusement. On va ouvrir le dernier pack 83+. Cette fois-ci, il y aura 3 joueurs à l'intérieur. 3 joueurs 83+. Et toujours pas de TOTS, bien évidemment. Vous croyez que c'est la fête sur le compte du Yo. MDC, Busquets, 85. Bon bah la famille, c'est l'heure. Hein. On va ouvrir le gros pack 5 joueurs 85+. Ensuite, on se fera le pack TOTS. Et je pense qu'on va avoir n'importe quel TOTS. Donc ça peut être également un TOTS éclaté. On est parti, 5 joueurs 85+, ça devrait payer, il devrait y avoir du bleu. Le bleu qui s'affiche, je vais pouvoir augmenter le compteur anglais, MG. C'est fini les gars, la TOTS Première Ligue, donc c'est la TOTS EFL il me semble. Donc les divisions inférieures anglaises, c'est le 53e TOTS. Et voilà, on n'est pas content, on va pas se mentir, on n'est pas content. Aux skins, bah du coup ça va rien cacher de fou, même pas un autre TOTS j'imagine, peut-être du MOTM si on est encore là. Oh, j'ai réussi à avoir 2 TOTS. Du coup, le compteur, il passe à 54 officiellement. 2 TOTS dans ce pack. Mais la vérité, hein, t'es vendable, toi? Moi, je pense pas qu'il est vendable. Non, la vérité, ça va aller en vente rapide, tranquillement. Oh, voilà, j'ai pas envie de faire un SBC, même si je dois finir Marco Reus, ce que j'ai commencé. Bref, il est l'heure d'ouvrir le pack TOTS garanti désormais. Et ensuite, on ira ouvrir le pack à 500 000. J'espère vraiment que le pack à 500 000, on sera riche. Je vais voir un petit peu, il me reste quoi comme pack? Non, après, on va garder ça pour deux prochains packs opening. Il y a bientôt un pack icône, les gars. Il y a toutes les versions d'icônes dedans. Prime, Totti, Footburst Day, Trophy Titan qui va sortir. On est parti du coup pour le pack TOTS garanti. Allez, au moins un TOTS d'une grosse ligue. Donc soit Bundesliga, soit Première Ligue. Pack, joueur TOTS. On est parti. Primpong. Non, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, les gars. Il m'est arrivé le même scénario dans la vidéo précédente. Le même, absolument le même scénario. J'ai eu les mêmes TOTS en boucle. Primpong, ça veut dire maintenant dans le pack à 500 000, vous savez qui je vais avoir? Je vais avoir Davis, c'est sûr, sûr à 100%, c'est le même scénario. Par contre, il y a une bonne nouvelle pour moi. Je vous rappelle, je rajoute pas au compteur quand c'est des trucs garantis, les TOTS. Il y a une bonne nouvelle, c'est que vu que je l'ai en rouge, bah en bleu, ce n'est pas un doublon. J'ai pas besoin de trier, sinon là, j'aurais été obligé de trier. On est parti l'équipe pour ouvrir déjà le dernier pack de la vidéo. Oui, peut-être que je vais en ouvrir un de plus. Peut-être que je vais l'ouvrir tout de suite, le pack de plus, pack Jumbo Ultime. Seconde période, les packs qu'on a ouverts hier et qu'on n'aurait jamais dû. 28% de chance d'avoir un TOTS. Est-ce que je vais voir du bleu s'afficher dans ce... C'est les pires packs du jeu. Non mais là, c'est vraiment... C'est les packs à 200 000, ceux-là, ils te font croire qu'il y a 28% de chance. Mais ma parole, c'est du mytho. C'est vraiment du mytho, les 28% de chance. J'en ai ouvert un. Pourquoi pas en ouvrir deux? Pourquoi? Je sais pas. Je pense que je fais une erreur si je veux en ouvrir un deuxième. Mais vas-y, hein. J'ai combien de crédits? 5 400 000. Ah, je peux même en ouvrir 3. Hein. Enfin, du coup, encore 2 autres après celui-ci. Enfin, un autre après celui-ci, vous avez capté. Allez, un TOTS, du bleu, du bleu. Mais je vous dis, c'est les pires packs du jeu. 28%, c'est du mytho. Heung-min Son qui était TOTS. C'est pas grave, parce que je l'ai déjà eu 2 ou 3 fois. Je l'ai packé cette semaine, le Son TOTS. Donc, je vais pas me plaindre. Oh, il était TOTS, tout ça. Non, c'est pas grave. C'est pas comme si là, si je packais Haaland que j'aurais aimé avoir, tu vois. Non, c'est pas pareil. Son, on l'a eu. On va ouvrir un dernier, les gars, pour tomber à 5 millions de crédits. Vous me connaissez. J'aime bien arrondir mon club. C'est parti. 200K. Un TOTS. Oui. Vendable. Et c'est le gardien, du coup. La TOTS Bundes. Et c'est Kobel, les gars. Et ben, au moins, j'aurais eu mon TOTS, les gars. J'aurais eu mon TOTS Bundesliga dans ces packs à 200 000. Et un TOTS différent. Kobel. Allez, on va pouvoir ouvrir le pack à 500 000 maintenant avec Kobel. Il y a peut-être du lourd. Il y a Karim Benzema. Luka Modric et en doublon, est-ce qu'il y a du TOTS? Oh, mais c'est relou. Ah, c'est vendable, c'est vendable, c'est vendable. Qu'est-ce que je fais? C'est vendable, les gars. Du coup, c'est pas relou. Bref, je mets ça en haut et on est parti pour ouvrir le plus gros pack de cette vidéo. 500 000 crédits. Il coûte 500 000 crédits, 3000 points FIFA, donc à peu près 30 euros. Et surtout, il y a 93% de chance d'avoir un TOTS.
Si c'est pas bleu là, vraiment, faut que tu te dises que t'es, faut arrêter FIFA. Vraiment, si t'as pas du bleu dans ce pack, faut arrêter FIFA. J'espère que ce sera du bon bleu en tout cas. En vrai, encore une fois, un pack opening pas fameux. On va pas se mentir, pas fameux. Voilà, on est Yomax, on ouvre 1 million de packs. Normalement, on vous vend du rêve et j'arrive pas à vous vendre du rêve. C'est en ce moment la vérité, j'arrive pas à vous vendre du rêve malgré tout cet investissement, crédit, argent, point FIFA, tout ça. D'ailleurs, au passage, l'année prochaine, vu qu'ils ont plus la licence FIFA, EA. Le prochain FIFA, les gars, il s'appellera IAFC, vous le savez. Et les points FIFA, j'ai oublié comment ça va s'appeler, mais ça aura changé de nom, mais ça existera toujours. Et tu pourras quand même les transférer de FIFA 23 à IAFC 24, les gars, au cas où ça a été annoncé. Bref, 3000 points FIFA pour ce pack à 500 000. Bon, s'il n'y a pas de bleu, c'est grave, mais il y en aura quand même, faut pas abuser. Merci. Qui ce sera par contre? Anglais, DC. Ah franchement, je suis dégoûté les gars, franchement je suis dégoûté la vérité. Des grands packs à 500 000 pour aller taper le plus petit TOTS EFL. Des gros packs à 500 000 pour aller taper le plus nul des TOTS EFL. Je suis dégoûté, ma parole. Pierre Gianni avec, je vois y a qui avec lui. Casemiro, Hugo Lloris, Trapp, Lukaku, Coman. 500k pour ça pour de vrai. Du 84, du 83 en veux-tu en voilà. Pierre Gianni du coup, Son. Tony Kroos, bien évidemment, Tony, il fallait qu'il soit dans le dernier pack aujourd'hui, on l'avait pas encore eu. Ouais, bah voilà. J'ai le pire pack. Franchement, je pense que j'ai le pire pack à 500 000. C'est pas possible autrement. Je vais laisser ça, les gars. Faudra que je trie, bien évidemment. Mais la flemme, vaut mieux quitter ce jeu parce que ça y est, ce jeu, le FUT Champions qui était horrible et le pack opening qui est horrible, c'est trop pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez à tous une agréable journée. C'était le Yo. Ciao, ciao.